C'est une petite ville de province très loin des mégalopoles indiennes. Et pourtant, c'est là qu'elle s'est installée. Le docteur Patel. La femme qui, ces 10 dernières années, a fait naître plus de 840 bébés issus de gestations pour autrui. Ce matin, elle vient visiter l'immense chantier de sa future clinique. Ici, il y aura la pharmacie. Là, vous trouverez les salles de consultation, la zone pour les diagnostics, les salles de yoga, d'acupuncture. Dans l'établissement seront traités tous les problèmes de fertilité. Et notamment au sous-sol, tout est prévu pour accueillir plus de 100 mères porteuses simultanément. Cela dépendra, elles seront soit 3, soit 5 par chambre. Et il y aura la climatisation? Oui, il y aura une climatisation centrale et même la télévision dans chaque chambre. Dans les étages, un hôtel accueillera les futurs parents qui pourront ainsi rester proches de celles qui portent leur enfant. Cette clinique sera d'ailleurs sa deuxième. Celle-ci a ouvert il y a 10 ans. On y croise des couples en mal d'enfants, asiatiques ou occidentaux, et des femmes enceintes qui portent l'enfant d'étrangers. Aujourd'hui, le médecin reçoit Erika, une Américaine qui vit en Italie. Je vérifie les follicules et tout va bien. C'est le 9e jour d'injection. Et quand les follicules seront à la bonne taille, nous déclencherons la procédure pour lui extraire ses ovules. En tout, Erika a payé 25 000 euros. Un prix qui comprend tout, jusqu'à la livraison de son bébé. Son mari la rejoindra dans quelques jours. En Europe, en Italie où j'habite, c'est illégal. Donc on ne peut pas le faire là-bas. Et aux États-Unis, c'est très très cher et c'est la mère porteuse qui a tous les droits, pas les parents biologiques. Nous pensons que nous aurons plus de droits ici. Tous les jours, le docteur Patel reçoit des photos d'enfants qu'elle a mis au monde et qui grandissent aux quatre coins de la planète. Elle dit aussi recevoir des demandes de renseignements de couples français plusieurs par semaine, sans toutefois y donner suite, car la GPA est illégale en France. C'est très triste. Il y a tellement de couples français qui en ont besoin et qui veulent venir ici. Et c'est leur dernière chance quand leur docteur leur parle de la GPA. Mais ils ne peuvent pas. Les mères porteuses vivent à l'écart, dans de petites maisons, en dehors de la ville. Le docteur Patel nous emmène dans l'une d'entre elles. Ici cohabitent une quarantaine de femmes, toutes enceintes. Elles sont nourries, logées et reçoivent des cours de broderie ou d'anglais. À notre arrivée, toutes se mettent à toucher les pieds du médecin, une marque de respect. Pourquoi est-ce qu'elles vous respectent tellement? Ah, je crois qu'il vaudrait mieux leur demander directement. Elle est très importante pour nous, c'est comme une mère. Le docteur Patel, c'est même comme un dieu pour nous toutes. Chaque femme reçoit un peu moins de 7000 euros pour porter un enfant. Une somme qui équivaut ici à 20 ans de salaire. Pour Shilpa, qui a perdu son mari, c'était une nécessité afin de nourrir et loger ses deux filles. Je suis heureuse car je vais apporter de la joie à notre couple. Mais je suis aussi un peu triste. Pourquoi? Vous savez, j'ai gardé le bébé 9 mois dans mes entrailles, donc c'est déchirant de m'en séparer. Mais seulement un petit peu. Les mères porteuses ne peuvent pas quitter cette maison pendant la grossesse afin d'être toujours sous surveillance. Elles reçoivent la visite de leur famille une fois par semaine. Liotsana sait qu'elle ne pourra pas être présente à l'anniversaire de ses filles, mais elle veut croire que c'est un mal pour un bien. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des enfants. Eux, ils ont de l'argent, mais pas d'enfants. C'est tout, c'est la vie. Les cliniques comme celle du docteur Patel se sont multipliées en Inde ces dernières années. Il y en aurait aujourd'hui plus de 3000. Mais ce chiffre n'est en fait qu'une estimation, car officiellement, il n'existe aucune procédure d'enregistrement auprès des autorités indiennes.